que je suis la cinquième génération ici sur l'exploitation, donc avec mon père, encore en activité, où on a diverses productions, notamment des vaches laitières et des grandes cultures, la betterave, qui était le socle à la base de l'exploitation. Et donc depuis mon arrivée l'année dernière, donc on a lancé deux nouvelles productions, donc notamment le chou, qui est une production aujourd'hui importante sur l'exploitation, et une nouvelle activité qui démarre en juillet avec la vente directe directement au consommateur. Voilà. Un magasin qui est à l'entrée de la ferme. Alors ici au magasin, vous avez vos produits et vous avez aussi les produits d'autres producteurs. Alors oui, tout à fait. Donc il y a une grosse partie de nos produits, donc le chou, les oignons, échalotes que vous avez derrière vous, petit marron, butternut aussi. Et je travaille aussi avec d'autres producteurs, donc notamment Monsieur Verbeck à Verquin qui me fournit sur le reste des légumes. Et puis deux autres producteurs. Donc le premier, donc la ferme de Rotemois à Bucquoy qui me fournit l'huile de colza. Et puis la ferme du Watelet qui me fournit donc sa boisson, le rubibule. Alors sur les productions des légumes, c'est surtout des engagements qualité qui sont faits, notamment avec un engagement Global Gap. Donc, c'est une certification qui nous ajoute des mesures supplémentaires par rapport aux normes habituelles afin de garantir la qualité et la traçabilité de nos produits.